Action. Bien bonjour à tous et bienvenue sur le salon Global Industrie, premier du nom. Stop. Petite explication. Global Industrie est né de la synergie entre quatre salons industriels. Midest, Smart Industrie, Industrie et Tolexpo, afin de devenir ni plus ni moins que le plus grand rassemblement industriel multisectoriel en France. Reprenons. L'idée pour l'industrie française est de démontrer son savoir-faire, son envie d'aborder l'avenir avec confiance et pourquoi pas susciter des vocations. C'est pourquoi Global Industrie ambitionne d'être la grande messe de l'industrie française dans son ensemble. En effet, sur 4 jours sont attendus plus de 50 000 visiteurs sur les 100 000 mètres carrés du salon, soit 2700 exposants et 50 filières représentées. En fait, pour la première fois sont réunis tout l'écosystème industriel, toute la chaîne de valeur et toutes les filières utilisatrices. Dassault Systèmes, en tant qu'acteur majeur de l'innovation industrielle, y est fortement représenté avec plusieurs stands, dont ici, Pascal, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Ma première question, elle est toute simple. En quoi est-ce important pour Dassault Systèmes de participer à Global Industrie? C'est une façon pour nous d'être au cœur de l'écosystème industriel français, de toucher tous les types de filières, également tous les types d'entreprises, de la plus grande à la plus petite. On le constate, l'industrie se prépare à répondre aux défis de demain. L'industrie est moderne. Néanmoins, on a l'impression qu'il existe toujours un déficit d'image pour l'industrie. En des termes un peu trivieux, je dirais que l'industrie, c'est pas forcément sexy. C'est-à-dire qu'on doit changer notre regard, mais comment? Vous avez raison, il faut vraiment changer le regard sur l'industrie. Et plus vous avez le numérique qui s'empare de l'industrie, plus l'innovation, les nouveaux usages, les nouveaux comportements sont au cœur de ce que l'industrie doit produire. Merci beaucoup Pascal, je continue mon petit tour. Merci. Me voici maintenant sur le Global Industrie Campus, 1500 m² dédié à la formation, puisque oui, contrairement aux idées reçues, l'homme est au cœur de cette révolution et l'industrie est jeune, c'est ça Valérie? Oui, l'industrie est jeune et l'industrie est attirante. Elle est attirante parce qu'on est en train d'y créer le futur et de créer les métiers de demain. Il y a beaucoup de technos qui sont en train d'arriver au sein de l'industrie et donc on va faire changer le rôle des hommes de façon importante. On place l'homme au cœur de l'industrie. Pour les préparer au métier de demain, il faut développer des expériences qui vont permettre la formation initiale et puis aussi la formation continue. Tard, on entend évidemment beaucoup parler d'industrie du futur, qui est le thème au cœur de ce salon. Vous êtes directeur général de l'Alliance pour l'industrie du futur, partenaire de Global Industrie. Déjà, pour qu'on comprenne bien, quel est le rôle de l'AIF? C'est tout simplement d'être une boîte qui permet à tous les acteurs qui vont travailler autour de l'industrie, du renouveau de l'industrie, de la transformation de l'industrie, de parler ensemble, d'échanger, de trouver des solutions et de mettre en œuvre ces solutions dans toutes les entreprises françaises et étrangères. Le futur a été créé pour être changé, disait Paulo Coelho. Chez moi, on dit le futur sera meilleur demain. Tout ça pour dire que l'innovation est vecteur d'espoir. Complètement. L'innovation, c'est ce qui permet finalement à l'être humain d'exister et de toujours progresser, de toujours devenir mieux que ce qu'il ne l'était. Donc il faut avoir les meilleurs outils, les meilleures formations, les meilleures compétences et toujours aller dans la construction de quelque chose qui n'a jamais été imaginé. Se surpasser, ça ne se décrète pas, ça se vit. Merci beaucoup, Tar. Merci. Merci. On l'a vu tout au long de ce salon, l'industrie est en pleine mutation et travaille avec tout un écosystème. Et c'est cet ensemble de la chaîne qui fait et fera l'industrie du futur. Nous ne pouvons pas prévoir le futur, mais nous pouvons le préparer, disait Sénèque. Et bien c'est précisément ce que fait Dassault Systèmes et Global Industrie.